c'était Jean Moulin Lyon 3. Donc on est ici en direct au championnat de France universitaire, première division de judo. Voilà. Alors Cédric, université Claude Bernard Lyon 1. Donc on est ensemble avec Arnaud là sur le championnat de France première division. Hier on était sur les épreuves individuelles, aujourd'hui par équipe. Et c'est donc l'avantage de se regrouper, c'est de pouvoir perfer et aligner des groupes d'étudiants au plus haut niveau universitaire. Le fait de se regrouper, c'est d'avoir une dynamique chaque semaine avec un pôle d'étudiants, un groupe d'étudiants de 40 à 60 judokas sur le tapis qui peuvent s'entraîner entre eux. En combat, c'est important d'avoir des sparring partners de son niveau, de ses catégories de poids. Et la chance qu'on a avec ce regroupement, c'est de permettre aux étudiants d'avoir une qualité d'entraînement chaque semaine. Sinon, ce serait difficile d'exister au plus haut niveau, difficile de rivaliser avec les universités qui s'appuient sur des pôles fédéraux. Nous, c'est la seule façon de pouvoir continuer à faire progresser nos étudiants dans des activités comme le judo. Alors, je m'appelle Océane Labarthe, je suis deuxième dan de judo. Je suis en compétition, je suis en STAPS, en L1. Et j'ai 19 ans. Moi, par exemple, quand je vais en compétition avec mon club, je sais que je suis beaucoup stressée. Et là, en tant qu'universitaire, ça me permet d'être beaucoup plus libre. Et je fais de meilleurs résultats en universitaire. Je me suis trouvée beaucoup plus libre niveau judo pour attaquer, pour poser ma garde. Je me sentais plus forte. Et j'ai eu de bons conseils par rapport au coach. Ah oui, je reviendrai. Je suis Xavier Doum, donc je suis le directeur national de la Fédération française du sport universitaire. Donc détaché par le ministère comme un certain nombre de collègues auprès de cette fédération pour organiser et développer le sport de compétition au sein des universités, de tout l'écosystème universitaire, que ce soit université, école, etc. Voilà. Donc ça c'est ma mission première. Et dans ce cadre-là, j'accompagne mes collègues en région et à la nationale sur l'organisation des championnats de France notamment, mais aussi des championnats internationaux. Et aujourd'hui à Grenoble, donc nous sommes réunis pour le championnat de France universitaire, première division de judo, individuel et par équipe. Et j'allais dire, j'ai une appétence particulière pour ce sport parce que je suis originaire, on va dire, du judo. Je viens du judo, j'ai toujours fait du judo. Et donc je suis en charge également de suivre et d'accompagner les règlements et les championnats de France. Pour être plus compétitif, eh bien, on va dire que ces grands pôles universitaires ont un intérêt à se regrouper, plusieurs AS, à fusionner, pour justement matcher au meilleur niveau national, voire européen, puisque aussi au niveau des Jeux européens ou des championnats d'Europe, eh bien, si on veut être compétitif, il faut une équipe avec le maximum d'étudiants de bon niveau. Ça s'excite fortement. On est sur les demi-finales en ce moment, donc c'est génial. On est regroupé pour les compétitions sportives en AS UDL, c'est Université de Lyon. Il y a Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Saint-Étienne avec nous. Et l'intérêt, c'est que déjà, on est plus fort. Parce qu'il y a certains sports où il y a certaines facs où on manque de monde. Par exemple, aujourd'hui, on est sur un championnat de France première division en judo. De Lyon 3 en masculin, je suis le seul. Du coup, il y a des championnats par équipe aussi pour faire une équipe tout seul. C'est pas possible parce que de manière générale les équipes parisiennes au niveau sportif ils sont très 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 bonnes et en étant regroupés en Université de Lyon en général ça permet d'avoir quelques bons éléments tous ensemble et pouvoir tenir tête et pas paraître ridicule en face. Ça hausse le niveau. Voilà, on peut se permettre de viser au plus haut niveau en compétition. Cette année au championnat de France judo universitaire on a eu un très très gros niveau. Il y avait vraiment beaucoup de têtes de série qu'on voit au niveau fédéral.
Avec beaucoup de monde de l'équipe de France aussi. Donc, honnêtement, c'est une belle expérience. Il y a énormément de grands combattants. Par exemple, j'ai pu croiser dans ma catégorie un combattant qui a fait les Jeux Olympiques. C'est pas rien, c'est énorme même. Et honnêtement, ça fait une belle compétition. Ouais, que du plus, honnêtement. C'est ma première année où je fais les compétitions universitaires. J'ai réussi à me qualifier pour le championnat de France. Bon, j'ai pas atteint le podium du championnat de France comme je l'espérais, mais ce n'est que partie remise, on va dire, en espérant que ça se passe mieux l'année prochaine. Et honnêtement, franchement, belle expérience et à refaire.